Cette vidéo de type détente, joie et bonne humeur, alors pose-toi tranquillement et lâche un pouce bleu pour un autre épisode. Bonjour toi derrière ton écran, c'est Vodka. Voilà, c'est une intro simple et efficace. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour la suite des Sims. Mais attention, les beaufs c'est fini, j'ai abandonné, je n'en peux plus de cette famille, c'est des malades. Je vais faire ce que vous m'avez demandé, les Lopez. Je devais faire aussi les youtubeurs, mais on attend un peu. Eh, les Lopez c'est quoi? Ça va être rempli de clichés encore hein. Si t'es un gitan, tu vas mal le prendre. Si t'es un Lopez, tu vas encore moins bien le prendre. Me casse pas la gueule, merci. Au niveau de la coupe de cheveux, attendez, je vais utiliser l'outil internet. Alors les autres ils sont torse nu, sans barbe. Pour ça, quand même, un petit chat à flouquette. Hein. Ah, lui, il a son bonnet. Moi, je veux faire lui, là. Je veux faire le sang de vos morts. Toi, tu vas baiser tes morts. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le sang de vos morts. Je suis libertine. Caractère, la famille. Oh, c'est la famille, c'est le sein. Qui veut réussir dans la vie, c'est pas en volant des Mercedes que tu vas réussir. Ça va, je rigole, putain. Oh, allez, un grand foyer pour voler plein de voitures. Non, mais ça va, on rigole. Alors, comment il s'appelle lui? La castagnette. La castagnette. Yes. Oh, parfait. Eh mais attendez, mais... what? C'est la même couleur. Lui, c'est comment on va l'appeler? Lui, on va l'appeler castagnette. Alors je sais, ça n'a aucun sens. Hein. D'ailleurs, c'est une fiction. Hein. Donc c'est pour ça que quand je fais des vannes, voilà, il faut prendre ça comme une fiction. Mais pour moi, ils sont tous de la même famille. Yes, des cassos. Castagnette, il a une petite bague comme ça là. Hop, voilà. Hey, hein, on rigole, mais il y a quand même le sens du détail. Voilà, ça c'est mon deuxième Lopez. On va en faire, on va pas trop en faire parce qu'il faut s'en occuper quand même. Toi aussi t'es gros. En fait, vous êtes tous gros. Tu as un pantacourt de type bleu comme ça. Tu as un joli tatouage là. On va mettre celui-là. C'est bien celui-là. On va mettre des petits papillons dans le dos. Parce qu'on est à Lopez, qu'on va prendre les papillons. Toi, tu vas t'appeler Jean-Edouard. La famille Lopez est prête. Ça va être beau. Mesdames et messieurs, j'ai enfin trouvé un emplacement pour les Lopez. Je vais vous faire exactement le camp de manouche de mes rêves. C'est un silo manouche, ça y est, gitan, manouche, tout est mélangé, les critiques fusent. Oh, regardez qui c'est qui a une face. Regardez, c'est chez les bons. Ah putain, c'est tout propre, c'est tout rangé, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, on sait très bien que les gens du voyage, Lopez, gitan, manouche, tout ça, c'est des mots qu'il faut pas dire. Moi j'en bats les couilles. Ah. Au niveau des meubles, bah, c'est pas compliqué, hein. Dans la cuisine, il faut un frigo, bon bah on met un frigo. Ensuite, il faut un lit pour dormir, puis comme on est trois, il faut trois lits. Il faut un évier aussi pour faire la vaisselle, alors peut-être aussi ça pour faire chauffer, hein. Faut mettre un canapé quand même, pour discuter avec les copains. On faut mettre la sono par contre, ça c'est sûr, ça. Ça la sono c'est sûr, faut la mettre. On va par contre en mettre plein de sonos, ouais. La musique faut qu'elle vive, hein. Barbecue quand même. Une petite poubelle ici pour décorer. Bah, essayer de la décoller, poubelle, je suis désolé. La lumière, hein, pour les voleurs le soir, parce qu'on les connaît, hein. Ils viennent voler et tout chez nous, là. Le centre c'est mort, le centre c'est mort! La calotte c'est mort, Jesus! Dis-leur ce qu'il a! Dis-leur ce qu'il a à dire! Ferme ta gueule! Bon, il faut faire les présentations. Oh, c'est, il a l'air un peu gazoubi quand même, hein. Ça, dans la communauté Lopez, ça se fait pas. Allez, première bagarre! Le centre c'est mort, les Lopez, ça va se battre, ça va se battre! Puis l'autre là, oui, je suis désolé, mais je pouvais pas le faire mieux, hein. Il est en mode, faut que je danse. C'est ça, c'est bien. Viens dans la bagarre, viens dans la bagarre. A few moments later. Parce que on peut se battre et danser en même temps. À la base, je voulais faire des mecs violents, des mecs vénères, tu vois, des mecs virils un peu, des mecs qui ont envie de se battre. Et là, lui, c'est pas ça, hein. Il est... ouais, on est tous copains. Mais battez-vous, les Lopez. Vas-y, pète-lui la gueule, pète-lui la gueule. Yes, c'est ça que je veux. Toi, viens dans la bagarre, viens dans la bagarre. T'es où, toi? Essaye de calmer, vas-y, essaye de les calmer. Oh, il a jeté un truc. Oh, eh, battez-vous, le danser là. Ah bah ouais, on pourrait te faire caca tant qu'il y a quelqu'un. Hein. Il a demandé aux gens de partir, mais il peut pas partir. Le gars, il fait son petit caca. Y'a pas de problème en face, personne vient nous voir. Ah mais c'est le début du jeu, ils viennent pas encore. Mais vous savez pourquoi les gens viennent pas chez nous? Y'a pas de porte. Ah, on est un peu exposé, hein. Va là-bas, je prends une douche. Tu passes comme ça dans ton quartier tranquille, et là, tu passes et t'entends. Le sang de vos morts! Le sang de vos morts! Espèce de salope! Espèce de putain, j'ai enculé ta femme! Oh là, ça se bat. Oh, la bagarre! Jean-Edouard, parti sur sa première bagarre. Jean-Edouard, calme-toi! Toi, tu peux être à côté de faire un barbecue, hein. C'est ça aussi un peu l'esprit Lopez. C'est énervé, se battre, mais pendant ce temps, tu fais un barbecue. Attendez, je vais faire pipi, poussez-vous! Bah, il est parti où l'autre? Ils sont chacun à un coin de la map. C'est qui ça? Oh, c'est Kevin! Oh, Kevin, tu veux traiter avec les Lopez? Vas-y, on va taper Kevin, on va pas t'inviter Kevin à danser. Oh, Kevin, viens danser avec nous, Kevin! Attends, faut que je fasse pause. Désolé. Mais ce que j'ai réussi à créer, c'est vraiment un camp de manouche pour le coup. Regardez. Je suis désolé. Non, il faut que je... Reprendre les esprits calmement. Il y a l'autre qui fait ses saucisses, ils ont mis la musique à fond, ils veulent juste se battre. Eh, je vais être franc, hein. À la base, je pensais que ça allait même pas être possible cet épisode parce que je me suis dit, à chaque fois qu'ils vont vouloir aller pisser ou aller aux toilettes, il va y avoir un problème ou s'ils veulent dormir, il y aura trop de bruit. Mais non, j'ai oublié. C'est Lopez, le sang de leur mort, y'a pas de problème. Vous me convenez. Ah, mais moi, je suis le bagarre. Moi, je vous pèse à tous, mais tous ceux qui n'ont pas content. Tous ceux qui n'aiment pas les Lopez, je trouve. Les encules. C'est qui elle? Ah putain, y a peut-être moyen de la. Toi, vas-y, toi, t'as l'air d'être un peu faible. Invitez les voisins. Bonjour, vous pouvez venir chez nous. Les Lopez, on fait du bruit un peu, mais on est quand même sympa, hein. Ça y est, on a un nouveau membre. Ah bah tiens, regarde, c'est étonnant, tiens. Regarde l'autre con, là. Ouais, tous les voisins, c'est la fête, hein. Oh, comme quoi, on peut très bien vivre, hein. On a besoin de maison. Suffit d'avoir les galipettes et les carabous, hein. Est-ce qu'on peut taper une femme enceinte? Est-ce qu'on peut taper une femme enceinte? Est-ce qu'on peut taper une femme enceinte? Mais c'est un malade.
Je vais finir par arrêter ma chaîne avec des phrases comme ça. Eh, hey, niveau thune, on est bien, hein. Ça rapporte de voler des voitures. On rigole. Oh là, elle est vénère, elle. Oh la cagole. Oh la cagole, elle est là. Gagne-la, 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 elle est vénère, elle est vénère. J'en ai marre. Foutez-moi la paix. C'était pas ma guerre. Oh, y'a peut-être moyen de se la taper. Accueille le nouveau voisin. T'inquiète, on va bien accueillir la voisine. On va acheter un bidou rien que pour la baiser. Heureusement qu'il y a de la musique pour les mettre dans l'ambiance, hein. En fait, là, dans la vidéo, t'as l'impression que les Lopez, ils dansent toute la journée et ils se battent. Voilà le résumé de leur vie. Ah bah c'est bon ça, tout le monde dort. On est bien là. Tous sont endormis comme des petits choux. C'est mignon. Des petits chouchous. Ouais, oh, j'allais faire pipi, vas-y, pas besoin de le dire à tout le monde, hein. C'est qui lui? Ah mais toi, il faut pas que tu sois comme ça, frère. T'es un Lopez, c'est torse nu, c'est tout. Ah ça, il regarde la télé, tiens. Regarde-le. Oh, je suis trop content de ce que j'ai fait. Bah, peut-être que les jeux vont me casser la gueule. T'as une charmante, une petite charmante là. Oh, charmante! On va mettre une jolie baignoire, hein. Tiens, regarde là comme elle est jolie cette baignoire là. Ah, t'aimes bien toi, palette. Vas-y, invitez-la, les gars, invitez-la. Mais tu veux venir chez nous? C'est juste en face. Il faut que tu la chopes, frère. Hein. Discuter des changements du quartier. Tiens, ça, c'est une discussion bien nulle, vas-y. Oh, je t'ai vu en train de pisser. Ah, bienvenue chez nous, hein. C'est comme ça que ça se passe ici, hein. Tu vois qu'on pas pisser, c'est pas grave, hein. Invitez aussi à danser. Viens danser? Ma pépette. Oh, oh. C'est qui? Waouh! T'étais qui toi? T'étais bonne? Ah, tu es mariée. Mais c'est pas grave ça. Ah, vas-y, mais Océane, pourquoi tu fais ta cagole là? Suce une bite. Bon, mesdames et messieurs, je crois que je n'arriverai pas à faire l'amour dans ce magnifique terrain vague. Si les Lopez peuvent pas coucher avec une femme, peut-être qu'ils peuvent coucher entre eux. Allez, c'est parti. Les deux Lopez, là, voilà. Vous deux, là, vous êtes beaux. Là. Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait, là? Ah, d'accord. Elle vient mettre ses poubelles chez nous. Mais sans que t'es mort, qu'est-ce que tu fais? La calotte, c'est mort. Bah là, c'est vraiment le camp. Là, c'est fini. Là, ça pue de partout. L'autre, elle danse dans son caca. Oh, mon bisou. Oh là, y a le feu, y a le feu. Il est en feu dans la douche. J'y touche pas. Putain, je peux pas racheter des meubles. Ah non, vas-y, on le laisse. Regarde-le. Les Sims, vous m'envoyez du rêve. J'ai rien besoin de faire. Il va mourir. Va tuer un Lopez. Il est en train de mourir. Regardez, il va prendre feu. Je vais vraiment voir comment ça va finir. Le sang de mort, je crie feu. Remets ton bonnet, Lopez. Remets ton bonnet, Joe. Hop là, il s'habille. Y'a la mort. Oh putain, éteignez l'incendie, y'a la mort. Il faut l'empêcher de prendre. Qu'est-ce qu'elle fait la mort? Attendez, vite, il faut la supplier. Éteignez le feu! Au lieu de crier au feu là, putain. Regarde-le, il est au sol. Ça sent le brûler, ça sent le brûler. Appelle les pompiers. Mais la mort, elle va rester dans la vie ou quoi? Je me demande si les créateurs du jeu, ils ont pensé une seule seconde à ça. Tiens, j'ai pissé à côté d'un mec mort ce soir. Elle part. Non. Ah non, elle arrive. Suppliez pour Joe, vas-y, suppliez. S'il vous plaît, Joe. Ah, l'autre, la voisine qui arrive. Supplie. Joe était ramené à la vie, les plus larrés passionnés de Joe et Dora, adresse à faucher son porté leurs fruits. Joe, il est ramené à la vie. Joe, lève-toi, Joe. Le sang t'es mort. Très tendu, raison. Était en feu. Ah, tu m'étonnes. Ramène-le à la vie. Elle a un iPad, la mort. Elle. Joe est ramené à la vie. Ah mais non. Eh, j'ai quand même bon cœur parce que je viens de soigner à Lopez. Hein. Allez hop, pour prendre une petite douche, on se nettoie de tout ça. En tout cas, la mort, peut-être si tu veux boire un café, prestation amicale, peut-être la remercier. Est-ce qu'on peut se battre avec la mort? Oh, putain, maintenant qu'elle est là, attends. Le sang de ses morts, mais c'est elle! On peut insulter la mort. Oh, c'est trop bien. Est-ce qu'on peut sortir avec la mort? Un par la maman, no way. Moi je veux juste me battre avec la mort, se battre, yes. Oh trop bien, je me bats avec la mort frère. Et eux ils discutent avec une assiette. Maintenant il faut que comme toi la mort t'a sauvé. Et bah tu vas peut-être pouvoir draguer, embrasser les mains. Oh. Oh putain il sort avec la mort. Hop là. Premier baiser ou pas? On est passé du temps ensemble. Oh non, la mort a disparu. Mesdames et messieurs, si vous voulez la suite de la mort, est-ce qu'on partirait pas dans un petit délire de pouces bleus? Parce qu'en ce moment, c'est pas la joie, hein. Enfin, c'est bien, mais les 50 000 pouces bleus me manquent. Je vais vous le dire, ça me manque, ça me ferait plaisir. A bientôt, abonne-toi. Putain, le micro, il est parti en couille. Salut!